Salut à tous, nouvelle vidéo sur OTS 2 World of Truck, épisode 46, DB Chunker à Lyon. Cette fois-ci, pour cette nouvelle vidéo, je suis de retour à Liverpool, en Angleterre. Et cette fois-ci, je vais rester à Liverpool, donc dans la ville de Liverpool. Je suis à la ville de Euroacre, je transporte du lait. Et je suis sur la nouvelle mise à jour, la 1.33.2.3 S version Steam. Bien entendu, j'utilise toujours le même camion, le nouveau Mercedes-Benz Actros 1842 Streamspace. Je vais vous montrer la carte du jour pour qu'après on puisse aller chez le client. Alors, c'est une petite livraison, vous le savez, on a déjà fait ça dans plusieurs vidéos. Voilà. Nous, on est ici et on va juste là, Euro chez Eurogodi, tout simplement. Voilà, donc, j'allume le moteur. Voilà, comme ça, on est bon. Voilà, donc, DB Chunker à Lyon. OK. Alors, DB Chunker vient d'inaugurer son deuxième bâtiment près de Lyon, une plateforme d'une superficie de 1500 m qui vient renforcer l'agence de Lyon Saint-Exupéry. Une vague d'inauguration pour la division transport et logistique de la Deutsche Bahn. En effet, après Clermont-Ferrand en Auvergne, dpt Schenker vient d'ouvrir une plateforme de 1500 m à Saint-Quentin-Falavier près de Lyon en Rhône-Alpes. Avec cette nouvelle plateforme entièrement dédiée à la messagerie, DB Schenker revendique 10 790 m2 de quai, 1290 m2 de bureaux, 9 000 m de surface de stockage pour l'ensemble de ces infrastructures lyonnaises, employant 176 salariés. Ce nouveau site... Ce nouveau site est le point de départ de 18 tournées de distribution. Ce premier site lyonnais de Debetianker fêtera l'an prochain, prochain les 10 ans. Les activités sont particulièrement centrées sur la route et l'oversa. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Voilà, tout simplement. Nous, on va faire comme d'habitude. On va se mettre euh, à côté, hein, d'accord on, on va se garer en latéral et on va déposer la, la semi-remorque. Comme ça, ça nous évite de perdre du temps avec la semi-remorque, etc. Tout simplement. Voilà. Voilà, tout simplement. Parce que sinon, après, on va avoir des petits problèmes et ça risque de ne pas être top. Euh, tout simplement. Et nous, on a fini ici chez Eurogody. Voilà. Donc, là, on va regarder combien de euh, nous avons de trucs à disposition. Donc là, c'est vraiment un, une petite livraison de rien du tout. Hein. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et vous pouvez me rejoindre sur le lien de la page Facebook qui se situe dans la description. Abonne-toi, à vendredi prochain. Ciao!